Yo les gars, c'est Alexan, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvel épisode des 100 faits, 100 secrets à propos d'un univers de manga ou d'anime. On va parler cette fois-ci d'une licence que j'apprécie vraiment beaucoup, Sword Art Online. On va donc voir ensemble les amis, dans une seule vidéo condensée, plus de 100 secrets ou du moins 100 faits intéressants sur la licence de Sword Art Online, que ce soit notamment sur l'histoire, les personnages, la conception de l'univers, les secrets de l'auteur et bien plus encore. Tu pourras d'ailleurs compléter mes 100 infos ou 100 faits intéressants dans les commentaires, histoire bien sûr d'avoir un vrai recueil de faits entre ma vidéo et les commentaires. Ne perdons pas plus de temps les amis, si vous aimez SAO, forcément abonnez-vous, cochez la cloche et laissez-moi de gros pouces bleus si vous voulez d'autres vidéos sur la licence. Et on est parti pour voir ensemble sans secret sur SAO. Pour ceux qui ne le savent pas, SAO est à la base un light novel et non un manga ou un animé. Il a été écrit par l'écrivain Reki Kawahara pour une première publication en 2009. L'auteur s'était déjà fait connaître grâce à son autre light novel à succès, Axel World, en remportant le grand prix du roman Dengeki en 2008. Son roman SAO avait été jugé trop ambitieux en 2002 et dépassé le nombre de pages limites pour le concours. Il a donc publié quelques années après sur internet avant finalement d'être considéré à sa juste valeur en 2009 avec sa première publication officielle. Dans l'univers de SAO, le jeu devait être interdit aux joueurs de moins de 14 ans, pourtant on a des joueurs âgés de 12 ans dans l'histoire comme Silica qui ont pu acheter le jeu et y jouer. Le jeu SAO ne permet d'utiliser que des noms anglophones ou avec l'écriture romanisée afin d'être ouvert au monde entier avec l'alphabet latin. Le personnage de Akiko Keyaba qui a créé SAO s'est inspiré d'un véritable jeu de rôle des années 1980, Wizardry. C'est également lui qui a créé les technologies du Nerve Gear, le système cardinal et The Seed. Des technologies à la pointe du développement qui a entraîné bien évidemment la création de plusieurs autres mondes ou jeux en VR MMO, ainsi que le système de PNJ ultra réaliste. Dans la première version officielle de SAO disponible de base sur internet par l'auteur, il y avait 50 000 joueurs bloqués dans SAO. Cela a ensuite été diminué par l'éditeur et l'auteur lui-même à 10 000 joueurs dans le roman publié et dans l'animé. Akiko Keyaba était déjà de base très intelligent et très riche dans sa jeunesse, avec un salaire de plus de 100 millions de yens, soit environ 750 000 euros à 18 ans seulement. Ses passe-temps préférés à part le développement de jeux étaient le jeu de Go et la cuisine. Il devait de base révéler son identité au sein du jeu en tant que Heathcliff au 95e étage et non à l'étage 75, puis devenir ensuite le boss de l'étage 100. Il considère le moment de la révélation comme le plus heureux de sa vie et il se considérait presque comme un véritable joueur jusqu'ici. Il dit lui-même que Kirito a totalement dépassé ses attentes et qu'il était au-dessus du jeu, à un point où même son assistance système était beaucoup moins forte que les réflexes et la vitesse de Kirito. Heathcliff est d'ailleurs le seul boss du jeu de SAO à n'avoir qu'une seule barre de vie au lieu de plusieurs. Le pseudo Heathcliff est d'ailleurs une référence cachée au jeu Phantasy Star Online très connu au Japon. Il n'y a que dans les jeux de Sword Art Online comme Hollow Fragment où l'on peut affronter Heathcliff à l'étage 100. Le scénario de SAO a été modifié d'ailleurs pour l'occasion de la sortie du jeu. Et pour la dernière info au sujet de Heathcliff et de Keyaba, il possédait l'équipement le plus puissant en termes de ratio attaque-défense de tout le jeu avec des compétences totalement uniques et assez cheatées. Kirito est le seul personnage de l'histoire avec Gabriel Miller que l'on voit d'ailleurs dans GGO et Alicization à avoir conservé le Nerve Gear. Ils sont pourtant censés être tous détruits par le gouvernement. Kirito est né le 7 octobre et avait 14 ans avant de rentrer dans SAO. Son véritable nom est Kazuto Narusaka, avant de devenir par la suite Kazuto Kirigaya quand ses parents sont morts. Son pseudo Kirito vient simplement du mélange de son prénom actuel et de son nouveau nom, Kirigaya. Son prénom Kazuto signifie « l'homme de paix ». C'est également le seul joueur du jeu à posséder la compétence Escrime Double. Il est considéré comme le plus puissant joueur du jeu, même si bien évidemment on l'appelle le beater depuis le début. Reki Kawahara avait imaginé un SAO où Kirito devait être une fille à la base, d'où le fait qu'il lui ait donné un avatar plus féminin dans GGO pour faire un petit clin d'œil à ça. Kirito est très doué avec la technologie et est arrivé à construire son propre PC à l'école primaire et a trouvé lui-même son origine dans les dossiers secrets du registre national à seulement 10 ans. Kirito a toujours été premier en termes de popularité au Japon, sauf une fois à cause de Yu-Gi-Oh! Un de ses passe-temps préférés est la pêche car il peut manger et dormir en même temps. S'il devait être un animal, il choisirait le loup. Kirito a failli mourir dans SAO en escaladant l'Aincrad depuis l'extérieur, jusqu'à ce que le système ne le fasse tomber et presque mourir. Kirito aurait essayé de faire comme Rorono Azoro en utilisant un style à trois sabres, mais il aurait arrêté après avoir failli perdre des dents. A force de dormir, Kirito a développé une compétence passive qui pousse les gens à s'endormir quand il dort, et dès qu'on s'approche un petit peu trop près de lui quand il dort. D'ailleurs, petit fun fact, Yui avait calculé la moyenne de ses bâillements et l'avait évalué à environ 7 à 8 secondes. A la base, le noir n'est pas la couleur préférée de Kirito. Il a décidé de collectionner les armes et les vêtements noirs en référence à ses premiers objets rares drop dans SAO et sa rencontre avec Asuna. Le personnage de Kirito représente tout ce que l'auteur souhaitait devenir à la base, un personnage qui agit, prend des décisions, avec courage et qui attire beaucoup les femmes. Dans le jeu non canon de la série SAO GGO Fatal Bullet, l'avatar de Kirito s'appelait Kiriko et non Kirito. Dans la première version de SAO publiée sur internet, l'avatar de Kirito dans la version bêta était plus grand de 20 cm, ce qui a totalement déboussolé Kirito une fois sa taille normale dans SAO.
Kirito est totalement dingue de Asuna et il semblerait qu'il regrettait à la base de ne pas s'être mis avec elle bien plus tôt à cause des bons plats qu'elle préparait. Asuna est née un 30 septembre comme Kuroyuki Hime, l'héroïne principale de Axel World. Asuna n'a jamais gagné un seul classement de popularité parmi les personnages féminins de SAO. Elle est la seule joueuse de SAO à utiliser son propre prénom en tant que pseudo et le personnage de Yuki a fait la même chose dans Alphame Online. Dans le light novel et l'anime, c'est Kirito qui tue Kuradil, alors que dans l'histoire originale, c'était Asuna qui l'achevait pour sauver Kirito. Le light novel montre davantage d'éléments sur la rencontre entre Asuna et Kirito et le développement de leur relation tout au long de l'histoire de SAO. On ne le voit pas dans l'anime, mais Asuna a essayé de se faire une couleur rose à ses cheveux qui lui a fortement déplu et qui a provoqué au passage les moqueries de Kirito. Dans le premier coffret DVD Blu-ray pour l'anime SAO, on peut y retrouver une chanson chantée par Asuna ou du moins par sa doubleuse. Dans chaque DVD, il y a le son d'un des personnages féminins de la série. Asuna déteste les monstres inspirés de films d'horreur et trouve toujours un prétexte pour ne pas aller dans ce type de donjon. Yui rêverait d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Selon elle, les seules filles qui ont le droit d'approcher Kirito à part Asuna sont Sugua et Sinon. Dans le jeu SAO Hollow Fragment, on apprend qu'elle adore la couture. Le nom officiel du programme de Yui est Yui-MHC-P001. Elle a une capacité de réflexion supérieure à n'importe quel humain ou programme artificiel. EGO est né le 10 avril et son nom signifie l'honnêteté et le travail sérieux. EGO est d'ailleurs un des rares personnages à obtenir un objet divin dans l'Underworld avec l'épée à la rose bleue sans être devenu auparavant un chevalier sacré. L'épée du ciel nocturne de Kirito est plus puissante que celle de EGO avec un niveau de priorité de 46. Elle est tellement puissante que même le forgeron qui est quand même censé soulever n'importe quelle arme ou n'importe quel bouclier n'a pas réussi à la déplacer sur plus d'un mètre sauf en la traînant au sol. Le personnage d'Alice fait référence au projet Alice visé par Rat et son acronyme Artificial, Labile, Intelligence, Cybernated, Existence. Elle représente l'intelligence artificielle parfaite qui permettrait de développer des IA très puissantes avec des floodlights ultra développés. De base, Alice devait devenir Synthesis 50, le 50e chevalier sacré, avant de finalement devenir le 30e chevalier sacré. Alice est née le 9 avril, soit un jour seulement avant EGO, car lors de la création de l'Underworld, Rat voulait en tout cas créer deux enfants du même âge pour intégrer Kirito dans ce monde. Sugua est née le 19 avril et c'est une véritable championne du Kendo en dehors des VR Memo. C'est la cousine de Kirito et elle a remporté plusieurs fois le grand tournoi de combat du peuple Sylph dans Alphame Online. Elle est considérée comme la plus forte de cette communauté et elle est d'ailleurs dans le top 5 en termes de vitesse et de puissance et fait partie des plus appréciées avec son propre fan club. Elle devait avoir une poitrine totalement plate à la base, et finalement c'est l'éditeur qui a changé d'avis pour encore plus de fanservice autour d'elle, les produits dérivés et autour de Kirito. Quand elle était enfant, elle aimait beaucoup que Kirito lui lise des livres sur la mythologie grecque. Sinon est née le 21 août et n'a jamais connu son père car il est décédé quand elle n'avait qu'un an. Sa mère a même supprimé toute son existence par la suite en supprimant les photos et les vidéos de lui. Les lunettes de Sinon ne servent pas à corriger sa vue, mais seraient des verres par balles afin de l'aider à surmonter son traumatisme des armes. La preuve, ses entraînements en tant que sniper et sa qualité de visualiser le moindre détail dans la réalité font qu'elle a deux fois plus d'acuité visuelle qu'un humain normal. D'ailleurs, l'éditeur a voulu lui donner des lunettes uniquement parce que le quota de personnages avec lunettes n'était pas atteint pour la diversité de l'œuvre. D'ailleurs, dans les jeux SAO comme Hollow Fragment, l'histoire offre une incohérence autour de Sinon, car elle apparaît dans le premier monde de l'Enkrad en tant qu'archer, alors que les archers n'existent pas dans SAO. Ils apparaissent uniquement à partir de Alphame Online. Le rêve de Sinon est de devenir policière, et sa réplique One Shot, One Kill est une célèbre phrase reprise par beaucoup de tireurs d'élite à l'époque, à travers le monde et dans la profession. Son avatar dans Alphame Online devait être un sylph à la base comme Sugua, avant finalement d'être une quête Sith pour plus de diversité. C'est Asuna qui a choisi la tenue de Lisbeth dans SAO, et grâce à elle, sa forge a fait deux fois plus de bénéfices. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'est aussi teinte les cheveux en rose pour être assortie à sa tenue. A l'inverse de Sugua, ses formes ont été diminuées par l'éditeur pour ne pas avoir trop de femmes dans le même style. Silica est issue d'une famille de chimistes, d'où le fait que tous les noms de sa famille sont inspirés d'un élément chimique en particulier. C'est également la plus jeune joueuse de l'univers de SAO à être rentrée dans le jeu et se battre au front à seulement 12 ans. Klein faisait partie des joueurs qui ont campé 3 jours devant le magasin pour obtenir une copie du jeu SAO. Le pseudo de Klein a été inspiré par le nom d'une entreprise qui vend des vélos américains. Dans l'histoire originale, Klein rencontre Kirito juste avant l'événement de Noël et non au début de l'histoire, comme dans le light novel ou l'anime. Le pseudo d'Agile est une simple contraction entre son prénom Andrew et son nom Gilbert. L'univers de Alphame Online est basé sur la mythologie nordique entre la contrée des fées et des elfes, l'arbre Yggdrasil et la présence de certaines divinités ou traditions. Il y a aussi des références à la mythologie celtique via la race des Khaled et d'autres peu connus. Il n'y a pas de système de mariage dans Alphame Online contrairement à SAO et les personnages mariés du coup dans Sword Art Online et qui veulent transférer leur perso juste après obtiennent cependant un statut caché et bonus qui ne donne pas forcément d'avantages particuliers. Même avec la compétence Escrime Double, Kirito pense qu'il aurait perdu contre le personnage de Yuki en duel.
L'auteur lui-même a confirmé cela, sauf si Kirito utilisait l'épée d'Excalibur en tant que deuxième épée pour la battre en termes de statistiques. D'ailleurs, selon Kirito, si Yuki avait été transférée dans SAO, c'est elle qui aurait reçu la compétence Escrime Double, car sa vitesse de réaction est plus élevée que celle de Kirito. Les personnages de Strea et de Première sont des personnages féminins exclusifs aux jeux vidéo SAO. On ne les verra jamais dans l'anime ou le light novel, et Strea se considère comme la grande sœur de Yui. La plus grande peur de Argo sont les chiens. L'anime a totalement changé l'histoire de Diavel, qui fait tout dans le light novel pour contrer Kirito et le mettre le plus loin possible du boss, afin de récupérer par la suite le bonus de victoire. Kinella et Alice sont les meilleures mages et manipulatrices des arts sacrés de l'Underworld, la seule différence entre les deux vient forcément de leur famille d'origine, et aux accès divins de Kinella pour s'emparer du pouvoir ultime. Sakuya et Alice sont amies dans la réalité et partent souvent en voyage toutes les deux pour jouer ensemble autour du monde. Sakuya a déjà tenté de s'infiltrer dans le clan des Salamanders pour tuer Eugène, mais s'est fait défoncer par la suite. Dans la version du roman SAO publié sur internet, Sachi devait être à la base le premier amour de Kirito, avant finalement de les rendre plus distants et différents dans l'histoire définitive du light novel et de l'anime. Kikuoka a pour passe-temps de parler des choses dégoûtantes, ce qui effraie un petit peu ses amis ou ceux qui parlent avec lui. Berkouli était un des premiers à connaître l'existence du sceau de l'œil droit, mais ne l'a jamais brisé en 300 ans. L'histoire de SAO ne s'arrête pas à Alicization et comporte une suite appelée Unital Ring. Le prochain jeu vidéo de la licence Alicization Nicoris sortira le 10 juillet 2020. Il existe aussi des mangas appelés SAO Progressive qui retracent en 7 tomes les premiers étages de SAO et développent ainsi encore plus la relation entre Kirito et Asuna. Et voilà les gars, j'espère en tout cas que cette petite vidéo sur les 100 faits sur Sword Art Online vous auront plu, qu'elle vous aura appris quand même pas mal de choses sur l'univers, les personnages et bien plus encore. Comme je te l'ai déjà dit dans l'introduction de la vidéo, tu pourras compléter mes 100 infos dans les commentaires, me dire ce que t'as pensé bien évidemment de ma vidéo pour que je puisse améliorer le concept, etc. N'oublie pas de t'abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus si t'aimes SAO, si t'aimes les mangas, les animés, ce que je peux proposer en général sur ma chaîne YouTube. Je te laisse également me rejoindre sur Twitter et sur Instagram pour me parler en dehors des vidéos. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao.